La première chose que j'ai découvert, comme tous les enfants, dans la nature, c'est les insectes. Et les insectes m'ont amené vers les papillons. Puis les papillons, pour moi, sont très colorés. Puis pour moi, c'est la liberté. La première fois, à l'âge de 6 ans, quand j'ai vu le Morpho bleu, c'était dans la collection de Georges Brassard qu'il ramassait des fonds pour inaugurer l'insectarium. Puis j'ai tombé tout de suite à coup de foudre avec le Morpho bleu. Puis encore aujourd'hui, le Morpho a beaucoup d'importance dans ma vie. Pour le papillon, pour moi, c'est un symbole de liberté, d'espoir. Et c'est pour ça que je fais des conférences aussi dans les écoles et que je veux écrire un livre pour redonner l'espoir aux enfants et puis les mettre sur la bonne voie. Protéger la nature parce que malheureusement, qu'est-ce qu'on connaît pas, on est après les détruire et c'est pour ça que je fais la promotion des papillons. Je vous présente le papillon qu'il y a sur la pochette du livre, qui est le plus gros papillon dans la famille des Morpho. C'est important de dire qu'il y en a parce que les gens pensent qu'il est en voie de disparition. Il y en a de 80 à 100 espèces différentes à travers le monde de Morpho bleu. Et puis celui-ci vient du Pérou. Ça fait 20 ans que je ramasse des papillons un peu partout que j'ai acheté pour grossir ma collection pour aller faire des conférences dans les écoles. Et puis j'ai à peu près 800 papillons dans ma collection.